Bonjour à tous, bienvenue pour ce débat. Les Nyonnais auront le choix pour compléter la municipalité lors de ces élections complémentaires. Avec nous sur le plateau, une femme et 5 hommes en lice et prêts à s'engager pour leur ville et à reprendre le poste laissé vacant après le départ d'Élise Buckle. 6 candidats qui sont avec nous aujourd'hui et qui croiseront le fer sur ce plateau, Florian. En effet, ce débat fait suite aux élections générales de 2021. Le jour des élections, la gauche a exulté. Elle avait placé 5 candidats au premier tour. Et c'était une claque pour la droite qui perdait 2 sièges à la municipalité. Elle en avait en effet 4 et ne se retrouvait plus qu'à batailler pour 2 sièges avec 3 listes différentes, même si la droite a conservé la parité au sein du conseil communal. Un contexte sur lequel on reviendra évidemment avec vous, chers candidats. C'est donc à vous de jouer aujourd'hui puisque les cartes sont redistribuées et à la maison, à vous de choisir. Chers candidats, vous la prenez maintenant, on va commencer avec un petit exercice de présentation. Vous aurez à tour de rôle 30 secondes pour vous présenter face aux caméras qui sont face à vous. On va vous donner la parole à tour de rôle selon la liste et le tirage au sort que vous connaissez bien et ensuite on passera la parole au suivant. On va donc commencer avec le premier sur la liste numéro 1 sur la liste Novio Dunum, Pierre-Alain Dupuis en 30 secondes face à la caméra qui est juste là, face à vous, juste là-bas, pardon, je croise, celle qui est là-bas, j'ai choisi. 30 là, secondes, Pierre-Alain Dupuis, qui êtes-vous? Alors, qui suis-je? Ben, je suis un enfant de Nyon, je suis arrivé ici dans cette magnifique ville en 1961, j'ai fait mes écoles, j'ai fait du football, du tennis, je me suis surtout beaucoup engagé à titre personnel dans l'investissement pour les activités culturelles, sociales. Peu de gens le savent, mais en 1977, j'étais le vice-président de Paléo lors des premiers festivals à Colovray. Puis professionnellement, eh ben, j'ai fait 35 ans de télévision, de commentaires de tennis, beaucoup, beaucoup d'émotions. Pierre-Alain Dupuis pour la liste numéro 1, Novio Dunum, et l'on passe la parole à la candidate des Verts et du Parti Socialiste sur la liste 2, Valérie Mosner-Léger. Bonjour, je suis Valérie Mosner-Léger, j'ai 58 ans, je suis mariée, je suis mère de 3 enfants adultes. J'accompagne les communes romandes pour la gestion de leurs déchets. Je suis en politique depuis 8 ans, je siège au conseil communal et j'en suis très fière. J'ai eu l'honneur de présider le conseil l'an dernier. Et puis, je m'occupe beaucoup d'associatifs. Valérie Mosner-Léger, merci beaucoup. Sur la liste numéro 3, le mouvement citoyen nyonnais, Salam Fedal, la parole est à vous sur la caméra qui est juste là. En 30 secondes, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Salam Fedal, j'ai 35 ans, je suis employé de commerce. Aujourd'hui, donc, je suis en recherche d'emploi. Aujourd'hui, je m'investis beaucoup dans le domaine associatif, notamment dans le sport. Et aujourd'hui, donc, je suis en campagne pour me présenter comme candidat. Et je représente évidemment tous les citoyens de cette ville. Salam Fedal, merci beaucoup pour le mouvement citoyen nyonnais. On passe maintenant la parole à Olivier Rizon. La caméra est juste ici. Olivier Rizon représente la liste numéro 4 pour les PLR, les libéraux radicaux. C'est à vous. Bonjour, chères nyonnaises et chers nyonnais. Je m'appelle Olivier Rizon, j'ai 53 ans, je suis marié, je travaille à Nyon, je suis avocat indépendant. Je siège au conseil communal depuis plusieurs années. Je suis membre de la commission permanente des finances. J'ai beaucoup de plaisir à travailler au conseil communal. J'ai également un engagement associatif dans la ville de Nyon. Et je me réjouis de ce débat et je me réjouis surtout de la campagne qui va venir. Merci. On se réjouit aussi, Olivier Rizon. Merci beaucoup. Candidat suivant sur la liste numéro 5, Nyon Populaire, Jay Reuter. La caméra est juste ici. 30 secondes, elles sont à vous. Qui êtes-vous? Merci, bonjour, je m'appelle donc Jay Reuter, je suis né à Bruxelles, ça fait depuis 1999 que j'habite à Nyon. J'ai été concierge de la Société coopérative d'habitation pendant 18 ans, je travaille maintenant à Uniglobal Union, qui est une fédération syndicale internationale. J'ai été très investi depuis mon arrivée à Nyon dans tout ce qui est associatif, j'ai été président du festival Les Hivernales, je suis encore président de Proxy Compost, qui est une association qui promeut le compostage de proximité dans 4 cantons romands. Merci Jay Reuter, dernier candidat à cette élection complémentaire sur la liste numéro 6 qui s'intitule Sacha Soldini à la municipalité. Sacha Soldini, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Sacha Soldini, 43 ans, commerçant à Nyon, très longtemps investi dans les sociétés locales. J'ai fait plus de 12 ans au comité du sauvetage sur le lac. J'en étais président de cette section nyonnaise. Mon parcours politique a commencé il y a 21 ans. J'ai siégé au conseil communal de nombreuses années. J'ai été chef de groupe pendant plus de 10 ans au conseil communal. Et j'ai également été député au Grand Conseil vaudois. C'est terminé, merci beaucoup pour ce premier tour de table. Sacha Soldini, on va commencer ce débat avec vous. On sait également que vous êtes un fervent opposant à la municipalité, à votre actif plusieurs référendums. On vous connaît pour être au combat contre cette municipalité. Est-ce que réellement vous êtes le candidat idéal? Est-ce que vous saurez intégrer cette municipalité, sachant que jusqu'ici, vous avez toujours été en opposition et face à elle? Alors, pour commencer, je n'ai pas toujours été en opposition face aux projets municipaux. Au conseil communal, les décisions se prennent dans le collège du conseil, enfin dans au Parlement, les décisions de la municipalité. Évidemment, il y a des décisions qui plaisent et d'autres moins. On voit tout de suite que quand une décision ne plaît pas, il peut y avoir des fois des levées de boucliers au sein de la population. Et je pense que c'est important de prendre cette température, d'aller sur le terrain, d'entendre les citoyennes, les citoyens. Et s'il faut en arriver à l'outil qui est le référendum, qui est un outil démocratique, il ne faut pas hésiter à aller en avant. Récolter des signatures, je pense que beaucoup de monde au conseil communal l'a déjà fait pour contrer une décision prise par le conseil communal, parce qu'au final, c'est le conseil communal qui valide ces décisions. Et je pense que c'est un bel exercice démocratique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de démarches participatives. Que ce soit un référendum, que ce soit une pétition, c'est une vraie démarche participative. Il y a des référendums pour lesquels je n'étais pas partisan, d'autres pour lesquels j'étais au comité référendaire. On parle bien sûr du comité contre la hausse d'impôts, du comité contre l'implantation d'un grand centre requérant d'asile. La Souetta. C'est des projets qui sont revenus sur le tapis. Suite aux impôts, on a eu des assises financières, ça a permis d'apaiser la situation. – Oui, mais tout de même, Sacha Soldini, parmi tous ces candidats, vous êtes le seul à avoir appelé à la démission du syndic Daniel Rossella, très tôt, parce que si je veux compléter l'intro que j'ai fait, cette élection complémentaire fait aussi suite à une crise administrative et politique. Est-ce que vous voyez travailler avec Daniel Rossella, dont vous avez appelé à la démission ? Mais moi, je pense que quand on est autour d'une table à la municipalité, c'est l'occasion de bien discuter en profondeur des choses. Nous, au conseil communal, mon groupe politique n'a jamais eu de représentant de la municipalité. Donc c'était pas logique d'appeler à sa démission, mais on voit à un moment donné que tous les dysfonctionnements qu'il y a eu ces derniers temps, j'étais le premier à agir au conseil communal, c'était sauf erreur en novembre 2021, par le biais d'une interpellation pour demander à la municipalité des explications sur la crise qu'on a connue ces derniers temps, l'immense crise qu'on a connue au sein de l'administration nyonnaise. Suite à cette interpellation urgente, la municipalité n'a pas voulu accéder à mes demandes. Les demandes étaient simples, c'était connaître les conclusions du rapport Muller et c'était surtout nous expliquer quelles étaient les mesures, même anonymisées. Mais pour revenir à cette question, vous appelez à la démission du syndic et là vous arrivez dans un collège qui est unique, à traverser une crise et vous voulez travailler avec ce collège. Comment faire oublier justement cet appel à la démission? Comment faire oublier ces comités référendaires, être contre la hausse d'impôts qui avait été demandée par la municipalité incorporée? Comment vous situez là-dedans? Ben, ce sera le pouvoir de conviction qui sera important autour de la table, justement. Vous savez, en politique, ce qui est le pire, c'est d'être rancunier. Donc évidemment, on peut un jour avoir une position sur un autre sujet, avoir une position. L'idée, c'est d'avancer ensemble et surtout l'idée, là, maintenant, c'est d'apaiser la situation. Je pense que la crise doit être maintenant derrière. Beaucoup de projets attendent dans les tiroirs de la municipalité, doivent être validés par le conseil communal. Il faudra avancer. C'est une élection lors de laquelle on n'arrive pas avec notre programme politique. Mais vous rejoignez un collège, c'est le mot d'ordre un peu de votre campagne, mais j'en vois un qui sourit, c'est Olivier Rizon. Olivier Rizon, vous aviez été chef de campagne pour la droite lors des élections générales, justement, vous aviez proposé 5 candidats et il y avait eu une première crise au sein de ces candidats, puisqu'au second tour, il y avait eu 3 listes pour 2 postes à droite et tout le monde était parti en leur dispersé. Vous aviez présenté une liste PLR radicaux, il y avait une liste qui regroupait les indépendants et les verts libéraux, enfin une liste qui regroupait l'UDC. Et mon petit doigt m'a dit qu'il y avait une convention à droite qui stipulait que les 2 premiers de la liste devaient se représenter pour les 2 sièges vacants. Et vous aviez choisi l'option de la liste alphabétique, c'est-à-dire des 2 premiers noms alphabétiques pour repartir au combat.
vous pensez qu'il va y avoir un dégât à droite, que toute la droite va voter pour vous, ou seuls les libéraux radicaux vont-ils voter pour vous ? Alors, je vous remercie de me donner la parole. C'est juste que j'avais une double casquette à ce moment-là. J'étais à la fois le chef de campagne pour le PLR et en même temps, j'étais co-chef de campagne pour cette entente de droite. Par rapport à la question que vous avez posée, non, votre petit doigt vous a pas si bien renseigné. Il y avait effectivement une convention entre les différents partis. Elle disait quoi ? Il y avait une convention entre les différents partis. L'idée, c'était de partir unis, évidemment, pour d'essayer de prendre 5 places à la municipalité. Vous en aviez 4 à l'époque. Il y en avait 4 à l'époque, c'était de prendre 5, comme on était parti en 2016. Et puis, bon, bah, le résultat, vous le connaissez, vous l'avez rappelé. Et puis, au vu du résultat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, le jeu était finalement après ouvert. Hein. Il n'y avait plus, ce n'était pas des listes fermées comme en 2016. Donc, chaque force pouvait en fait présenter deux personnes. Au PLR, on avait 2 municipaux sortants. Ça nous paraissait logique et légitime de présenter 2 personnes. Ouais, on voit pourtant, Olivier Rizane, je me permets d'interrompre parce que on va avancer dans le débat. C'est une stratégie qui n'a pas fonctionné finalement à cette époque-là. Aujourd'hui, vous revenez à plusieurs pour la droite. Il aurait pu avoir une stratégie. C'était de choisir un seul candidat. Aujourd'hui, vous êtes 2. Alors il y a Sacha Soldini qui se présente, non pas sous la bannière de l'IDC, on l'aura compris. Et vous, du côté du PLR, 2 choix. Est-ce que finalement, il n'était pas trop gourmand de vous présenter à 2 quand on sait que finalement cette stratégie-là n'a pas du tout fonctionné ? Pourquoi répéter la même erreur ? Je vais l'appeler comme ça. Alors, la stratégie de 2021, rappelons-le, c'était de présenter 5 personnes, hein, c'était d'offrir un choix le plus large possible. Pardon. Aujourd'hui, écoutez, c'est une complémentaire, donc il y a une seule personne qui peut rejoindre ce nouveau collège. On a, au sein de notre formation, réfléchi à ceci, on a eu un débat, on a eu un appel à candidature, et pour notre force politique, ça nous a paru normal et légitime de présenter quelqu'un. N'oubliez pas, on est la deuxième force au conseil, avec un pourcentage d'électeurs relativement important. Vous avez besoin des indépendants, vous avez besoin éventuellement pour que la droite passe aussi de l'UDC. Or là, vous vous coupez certainement des effets avec les indépendants. On se souvient de ce qui s'était passé avec Claude Huldry, qui s'en était ouvert dans les médias. Et puis j'imagine que Sacha Soldini, qui était quand même le candidat que vous deviez couver à l'époque, a aussi du ressentiment contre le PLR et peut-être contre vous suite à cette campagne. Comment vous allez rassembler cette droite, peut-être prendre les électeurs de Sacha Soldini pour conquérir ce siège à cette complémentaire ? Vous savez, je pense qu'il est important pour les électeurs nyonnais et les électrices nyonnais qu'il y ait un choix, puis qu'au premier tour, qu'il y ait un large choix. Donc, je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui, on soit dans une opposition ou dans un clivage ou dans un sectorisme au niveau de la droite. Pas du tout. C'est plutôt à la gauche qu'il y a 4 candidats. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait ce choix. Une fois que le premier tour sera passé, bien certainement qu'il y aura des discussions qui vont avoir lieu. Et puis, on verra bien l'état de la situation. Une toute petite remarque quand même. Je note que, chacun est parti de son côté. Hein. Nous, nous sommes les deuxièmes à être partis. Hein. Monsieur Soldini, lui, il est parti. Il s'est déclaré très tôt. Voilà, très tôt. Donc, c'est simplement un état de fait. Et puis, j'ai pas de commentaires supplémentaires à apporter. Très bien. On va donner la parole justement à cette gauche, Valérie Mousner-Léger. Vous êtes la candidate pressentie, finalement, pour reprendre le rôle et la place d'Élise Buckle en tant que femme verte. Mais aujourd'hui, justement, il y a un dégât d'image. On l'a rapidement évoqué. Il y a cette crise administrative, cette crise politique qui tend à se terminer aujourd'hui avec cette élection complémentaire. J'aimerais savoir quel rôle vous jouez aujourd'hui dans cette élection complémentaire, sachant que vous êtes une femme, d'autant plus une femme verte, et que vous reprendrez cette place d'Élise Buckle. Comment vous le vivez, cette élection ? Très bien. Alors, peut-être, effectivement, vous avez posé la question de la gauche, de la droite, et puis la manière de notre côté. On va dire à gauche, en élargissant, on est parti tout à fait unis. Donc, je représente les Verts à la suite d'une primaire. Il y avait plusieurs candidats, donc les Verts m'ont choisi. Et puis, il y a eu tout de suite un accord avec les socialistes. Et quelques jours plus tard, les socialistes ont validé avec, je dirais, enthousiasme ma candidature. Et donc, on fait une campagne conjointe, unie et tranquille. Les socialistes avaient-ils vraiment envie de partir au combat ? Non, il y a tout à fait. Il avait été discuté que c'était a priori quelqu'un de vert à qui revenait de
reprendre le flambeau et le faire différemment. En tout cas, sur le programme, c'était la même chose et différemment probablement dans la méthode. Et puis, la chose a été faite très naturellement, quasiment au bout de 24 heures après cette primaire, on était déjà à travailler de manière très concrète. Et puis, sur les affaires premier tour, deuxième tour, Jay a eu l'élégance de tout de suite dire sur la suite, en fonction du nombre de voix qu'il y aura, il y aura entre guillemets un appel à report de voix. Donc les choses sont très clairement annoncées de notre côté. Elle fait à peu près 35% à Nyon, hein, en ville de Nyon. Comment vous vous sentez débordé peut-être par la gauche de la gauche, par Jay Reuters, peut-être aussi par le centre-gauche ou centre-droit qu'on pourrait nommer Pierre-Alain Dupuis. Est-ce que pour vous, vous vous sentez quand même la candidate légitime de toute la gauche ou d'une partie de la gauche, c'est-à-dire des Verts et du PS ? Alors moi, je suis tout à fait ravie que Jay fasse partie des candidats pour une raison très simple. On parle très peu des plus vulnérables, donc il en parle. On ne parle pas de pouvoir d'achat, il en parle. Et on n'a pas encore parlé de le logement, il en parle. Donc c'est tout à fait normal que... Enfin, ça élargit au contraire. – Ça veut dire quoi, que Jay Reuters serait le candidat idéal, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui ?– Non, ce que je dis, c'est que c'est les problématiques qu'il amène sont des problématiques que nous partageons, et c'est bien qu'il y ait une gauche de la gauche. – Une gauche plurielle. – Une gauche plurielle, comme il y a par exemple à Lausanne. – Mais les thèmes que vous avez dit, c'est des thèmes naturels pour la gauche. – Justement, c'est très bien. – C'est des thèmes qu'il fallait que Jay aborde pour que la gauche les prenne à bras-le-corps. – Non, c'est pas ce que je dis, c'est bien qu'il y ait ici… non pas une seule candidate, c'est bien aussi que Jay reparle aussi de la fin du mois et de la fin du monde. Donc qu'est-ce que vous avez dit quand Jay a annoncé sa candidature ? À titre personnel, je vis très bien. Donc j'ai aucun souci là-dessus. Vous n'avez pas fait des calculs de vous dire il va prendre temps ou... Moi, pas. Vous, pas. Voilà. Et vous, Jay Reuters, justement, vous êtes déclaré au POP. Le POP, je rappelle, c'est un candidat sur la plateforme de gauche au sein du Conseil communal. Et vous arrivez avec des thématiques qui sont chères à la gauche, qui représentent le logement, hein, vous avez dit, les transports, des thématiques sur lesquelles on attend justement les Verts et les socialistes. Pour vous, l'important, c'est que ce soit quelqu'un de gauche qui soit élu ou que ce soit vous qui soyez élu au détriment de Valérie ? Alors c'est clair que je préfère être élu à la place de Mme Mosner-Léger, ça c'est clair, mais ce qui est le plus important bien entendu, c'est d'avoir les valeurs humanistes et écologiques qui viennent a priori de la gauche, qui soient mises en avant. Donc je suis tout à fait ouvert à ce qu'une verte passe devant moi, puisqu'elle fait partie quand même d'un parti institutionnel qui est bien plus implanté à Nyon que le POP, même si le POP est un ancien parti. Il ne faut pas oublier que dans l'après-guerre… – fortement implanté. – Voilà, dans l'après-guerre, il y avait quand même 27 conseillers communaux qui étaient du parti POP. On a eu quand même à Nyon une figure du mouvement POP national, Armand Forel, le médecin des pauvres. Donc oui, les valeurs de la gauche sont mes valeurs. Moi, je suis encore un petit peu plus à gauche, comme on le dit au niveau politique, puisque les plus vulnérables de notre société me touchent particulièrement et que j'ai envie de faire des choses pour ces gens-là, de même que pour le reste de la population. – Alors, vous êtes le candidat qui fait pop, oui. Mais est-ce que vous êtes le candidat qui fait pop contre le libéralisme, contre la droite ?– Non, ça fait partie du monde dans lequel on vit, on doit prendre ces réalités aussi en considération et on doit essayer de travailler avec ces personnes pour amener un programme qui satisfera l'ensemble des Nyonnais. Rassembler justement l'ensemble des Nyonnais, c'est également votre objectif. Salem Fedal, vous dites aujourd'hui représenter les partis politiques qui sont peut-être inexistants, représenter des citoyens qui n'ont pas eu la parole jusqu'ici. Quels sont ces citoyens qu'aujourd'hui vous souhaitez représenter et quelles sont leurs préoccupations ? Donc aujourd'hui, les Nyonnais, comment je pourrais expliquer ça ? C'est quoi les préoccupations des Nyonnais ? Donc aujourd'hui, c'est d'avoir... une municipalité qu'ils écoutent, qu'eux apportent des idées qu'on pourrait mettre en place au sein de la municipalité, mais aussi peut-être des choses qui pourraient leur faire aussi plaisir.
Vous étiez porté candidat il y a deux élections à se faire en 2011, en disant « je recherche finalement un job ». Alors c'est vrai, municipal 150%, à peu près à… – Qui paye bien, on va le préciser, Florian. – À 110 000 francs par an, c'est ça votre intérêt, c'est ça les préoccupations des Nyonnais ?– Non, alors pour moi l'argent c'est… C'est secondaire. C'est secondaire. Donc moi, c'est bien sûr secondaire. Mais j'aimerais quand même qu'on soit plus à l'écoute des Nyonnais et que la municipalité soit plus à l'écoute. Alors être à l'écoute, c'est justement le mot d'ordre, notamment de notre sixième candidat, Pierre-Alain Dupuis. Vous dites être le candidat de l'apaisement et vous souhaitez tourner la page des conflits. Néanmoins, on se rappelle aussi d'une élection où vous aviez voulu être sur le ticket de gauche et vous aviez été retoqué, notamment par Pierre Vallone, qui était le chef de liste à l'époque. Vous allez devoir travailler avec Pierre Vallone. Est-ce qu'il y a toujours du ressentiment à l'égard de Pierre Vallone? Est-ce que tout s'est apaisé? Et on se souvient aussi que ça avait créé une crise, notamment avec Daniel Rossella, le syndic. Est-ce que vous avez accordé, j'allais le dire, vos bidons? Est-ce que maintenant vous repartez comme un homme neuf, prêt à travailler avec ces deux membres éminents de la municipalité? Mais je vous réponds très brièvement. Bien évidemment, il n'y a aucune rancœur, il n'y a pas un esprit revanchard. Mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est de vraiment resituer cette élection inattendue, exceptionnelle, au terme d'une crise dont tout le monde se serait bien passé, elle était surmédiatisée. L'enjeu, il n'est pas politique. Moi, ce débat sur les alliances, la droite qui veut reprendre un siège, qu'est-ce qu'on fait au deuxième tour, on compte les voix, on s'associe avec un tel. Pour moi, ce débat-là, il n'intéresse pas les Nyonnais. Oh, mais forcément, les Nyonnais, vous êtes bien placés. Non, mais justement, les Nyonnais, ils ont envie que l'enjeu de cette élection soit de tourner la page, de résoudre le problème, d'avoir un regard neuf, d'aller que le nouveau municipal, quel qu'il soit, il intègre une équipe dont la seule volonté, c'est d'avancer dignement, de tourner la page, de solutionner. Est-ce que c'est réellement possible de tourner la page, Pierre-Alain Dupuis? Parce que je sais qu'il vous a fallu le temps de la réflexion. À l'inverse, Sacha Soldini s'est tout de suite porté candidat. Vous, il vous a fallu un temps de réflexion. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans le rôle que vous allez reprendre et surtout après cette crise? Pourquoi est-ce qu'il a fallu ce temps de réflexion? Parce que justement, j'estime que l'objectif est important. Il faut savoir où on met les pieds, il faut faire un état des lieux, il faut bien sûr que je lis les journaux, je suis très lié à la vie quotidienne de Nyon, mais j'avais envie d'aller, de faire marcher le téléphone pour savoir où on en était. Puis une fois que j'ai eu tous les éléments, j'ai dit, mais mon vieux, c'est une belle carte à jouer. Oui, mais... Les gens te connaissent comme un rassembleur, comme un gars de dialogue, d'ouverture. Je suis un gars qui a des qualités d'énergie positive, ça on sait. J'ai dit, ouais, je suis le gars, le renfort. Là, je fais une comparaison avec le foot. L'équipe, il lui manque un joueur qui pourrait valoriser le jeu d'équipe. Et ce joueur-là, c'est moi. Vous dites que vous avez fait quelques téléphones. Alors, je pense que sans trahir des secrets, vous dites ne pas vouloir être partisan. Néanmoins, vous allez partir avec le soutien du PIN, très certainement, peut-être des Verts libéraux. Vous allez prendre des voix à Valérie Mausner-Léger, peut-être à Jay Reuters, et peut-être même au parti libéral radical représenté par Olivier Rizon. Mais je m'en réjouis. Juste une chose, oui. Non. Les Verts libéraux ont soutenu ma candidature. Ils vous soutiennent donc officiellement. Vraiment. Voilà. Donc quand vous avez présenté le tableau de la droite divisée à Donc vous êtes soutenu par les cinq membres des partis Verts libéraux au Conseil communal, plus. Par les Verts libéraux. D'accord. Voilà. Alors moi, je rebondis immédiatement. J'ai eu des téléphones d'amitié, de soutien de tous les partis. Vous avez été approché par des partis pour les représenter? On a entendu dire que les Verts libéraux avaient envie de Pierre-Alain Dupuis dans leur escarcelle. C'est pas vrai, j'ai pas été approché par les Verts libéraux. On a tous des amitiés, des gens qu'on connaît bien. Il y a des gens qui m'ont dit, mais je vais forcément garder la confidentialité, pardon, que tu as mon soutien, je pense que t'es le gars qu'il faut. À titre personnel, mais pas à titre partisan. À titre personnel. Sacha et moi que tout le monde se dise, tiens, ce gars, il est intéressant, même s'il n'a pas un parti, c'est génial. Pour moi, c'est la preuve d'une ouverture. Et justement, on vote non pas un parti, mais on vote la femme ou l'homme qui a les compétences d'entrer dans ce collège pour épauler, pour aider, pour redorer
l'image de la ville qui on est vraiment ternie. On va terminer sur ces mots-là, redorer l'image de la ville. Sacha, je vois que Soldini, ça réagit de l'autre côté. Sacha Soldini, ensuite on vous donnera la parole, Valérie Mosner-Léger. Sacha Soldini. Oui, bah, cette discussion est très intéressante, effectivement, comme vous l'avez constaté, je pars avec une liste Sacha Soldini à la municipalité. C'est justement pour pouvoir fédérer, parce qu'on élit des personnes en municipalité. On va devoir travailler autour de la table de la municipalité avec nos convictions. On ne doit pas porter un programme politique en municipalité. On voit que ça ne fonctionne pas. Alors l'avantage de... complémentaire, certes, mais néanmoins la couleur politique et puis les idées des élus conditionnent quand même une communauté de 23 000 habitants, c'est la ville de Nyon, mais aussi de tout un district de 100 000 habitants, puisque Nyon est quand même la ville centre, la locomotive de ce district qui s'appelle justement Nyon. Je rajouterais, Florian, la ville centre qui vote à gauche, et oui, là probablement. Vous êtes toujours présenté sous la bannière de l'UDC. Voilà, un courage que vous n'avez plus aujourd'hui parce que vous savez qu'à chaque fois, ben, ça se casse la figure. Non, absolument pas. Je vois que ma campagne permet actuellement de fédérer au-delà des frontières partisanes. J'ai des représentants d'autres partis qui me soutiennent. J'entends, c'est hyper intéressant de pouvoir tabler sur une personne. J'ai toujours parlé de transparence, d'écoute et de proximité. Quand vous descendez sur le terrain, quand vous entendez les gens, vous n'allez pas écouter que les gens de droite ou que les gens de gauche. Il faut entendre tout le monde, il faut pouvoir échanger avec tout le monde. Et c'est possible que dans le cadre d'une élection, je soutienne des projets que certains vont cataloguer de projets de gauche, mais je pense que le bon sens doit primer. Et oui, c'est ça qu'il faut retenir. – Alors c'est vrai, mais néanmoins, on entend des gens de droite dire « je ne voterai pas pour Sacha, il a des qualités ». Mais c'est quelqu'un qui représente l'UDC, donc je ne vais pas voter pour lui. Olivier Rizon, si Sacha Soldini avait été PLR, est-ce qu'il aurait fait un bon candidat à la municipalité ? Une première chose, vous parliez avant où on parlait du débat partisan et puis que les partis politiques n'ont rien à voir à faire dans ce débat. J'aimerais quand même rappeler que pour pouvoir soutenir des projets, un municipal, il a besoin d'un groupe politique. Et s'il n'y a pas de groupe politique, ça va être très difficile. Je constate quand même qu'il y a certaines personnes qui sont autour de la table qui, depuis 8 ans, ont quitté, on va dire, la réalité politique nyonnaise. Là, je vais dire, il va falloir un sacré coup pour se remettre le pied à l'étrier. Donc, là, vous bien sûr, Carlin Dupuis. Bien sûr qu'on est dans un cadre partisan. Est-ce que les Nyonnaises et les Nyonnaises veulent, surtout, c'est vrai, c'est qu'on a c'est qu'on sorte de cette crise, mais surtout qu'on revienne et qu'on ait la capacité, tant la municipalité qu'au conseil, de faire avancer des projets. Et ça, ça peut être fait qu'en s'appuyant sur des partis, et c'est comme ça que je vois cette logique. Ouais, un petit tacle qui est fait, notamment Pierre-Alain Dupuis, à Jay Rutter, à Salem Fedal, on va leur donner tout de suite la parole, mais je vous ai promis, Valérie Mosner-Léger, vous l'avez, aujourd'hui, comment justement percer, tourner la page, on l'a appelé comme ça, exactement, et sortir de vous cette crise. Vous qui représentez comment le vous premier allez, groupe hein, le au premier conseil groupe au communal. Conseil, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui... on l'entend, hein, des Lyonnais qui sont prêts à soutenir les Verts, mais il y a un dégât d'image. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, ça sera un vote sanction et que vous ne serez pas élue parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes verte. Vous y croyez ? Alors, ce que j'entends sur le terrain, c'est que la politique ne fait pas envie parce qu'on a l'impression qu'on passe son temps à s'enguirlander. Et ce n'est pas du tout ce que je vis. En fait, ce qu'on vit là... C'est pas du tout ce qu'on vit. En fait, ce qu'on vit là, en tant que présidente du conseil communal, on a fait l'inauguration du chemin du Cossy. C'était un jour où il pleuvait. Je suis arrivée comme ça. Il y a quelqu'un qui est allé me chercher un parapluie chez lui pour que je ne me fasse pas tremper. Ce quelqu'un, c'est mon voisin de droite. Mais est-ce que vous êtes, pardonnez-moi, Valérie, mais j'ai réellement sincère. Hein, on entend non, je finis, Andréa, du côté des Verts ou de la gauche, que même les Verts ne vous soutiennent pas dans son intégralité. Est-ce que réellement, est-ce que c'est ce que vous vivez pas aujourd'hui du tout, pas du tout. Vous avez vu le... Enfin, peut-être. Hein, ce que je vis depuis que, que j'ai été choisie, c'est un pur bonheur. Samedi, on était 12 sur le stand. On est très, très entendus et la campagne de terrain que je mène avec la population, elle nous dit à chacun, c'est pas une question de croiser le fer, arrêtez de vous battre, soyez à l'écoute et pour être à l'écoute, on ne doit pas être dans le combat. – Non mais on est d'accord, mais il y a quand même… Et donc, c'est important, c'est même fondamental pour le taux de participation que nous tous là, nous entendions ce qu'ils disent. – Oui, mais alors dans ce cas, vous vous mettez tous d'accord puis vous n'élisez qu'un seul candidat, si c'est aussi simple que ça. – Non, rien. Non, c'est une affaire d'abord et avant tout, non pas
de choisir X ou Y, mais d'avoir envie d'aller voter pour des gens qui donnent, qui montrent qu'ils sont heureux en politique. Alors, avoir envie d'aller voter, je vous entends bien et ouais. je partage votre réflexion. Néanmoins, ouais. vous représentez, vous êtes les deux, vous et Olivier Rizon, les deux fers de lance des deux plus gros partis au Conseil communal. Or, on sait très bien, par exemple, chez les PLR, on dit toujours, on a ce dicton qui dit qu'il y a autant d'avis qu'il y a de PLR. Et chez vous, il y a quand même plusieurs chapelles entre les jeunes, les anciens, les hommes, les femmes, ceux qui sont plus progressistes, ceux qui sont plus sur des valeurs de base verte. Et ça, vous ne l'entendez pas ou... Si, si, on l'entend tout à fait. Alors, comment vous faites pour venir si vous me posez la question, laissez-moi plus qu'une seconde pour y répondre. Chez les Verts, on s'appelle un mouvement. Et dans le mouvement, pourquoi on s'appelle le mouvement ? Parce qu'on a des idées parfois, mais opposées les uns aux autres, et justement, ça fait débat. Un petit souvenir sur la gratuité des transports publics, chez les Verts, pas vaudois, notamment, on a passé 2 fois 3 heures sur cette question-là, pour arriver à finalement dire qu'on était, que le mouvement se disait plutôt contre la gratuité, avec ponctuellement des aides ciblées. Donc on a une culture du débat et de l'ouverture, et ça ne veut pas dire qu'on est divisé, ça veut dire qu'on trouve que ça doit être vivant, et c'est pour ça que ces mouvements n'est pas un parti, et que le débat doit être important. Pour revenir à notre affaire, moi je vis très bien, mais vraiment, et c'est un bonheur d'être en politique au Conseil communal, parce que quand Sacha Soldini dit « il faudrait peut-être faire une commission de la mobilité », non seulement je vais en commission avec lui, mais je soutiens, même devant les Verts, qui peut-être se disent « ah, Sacha, tu dis c'est, je ne vais pas le faire », moi, je soutiens que c'est une bonne idée et je continue à vous penser… Vous êtes capable de trancher, même face à votre groupe, en fonction des idées. Ce qu'attend la population, c'est des résultats. Bah oui, mais il faut trancher de des fois. Parce que c'est vrai que dans cette campagne, il y a une grosse notion qui est la démarche participative. Je vais vous en donner un exemple. Oui, mais des fois, quand on est municipal, on est aux affaires, il faut prendre les choses à bras le corps. Absolument. Et il faut y aller. On y va. Allons-y pour quelque chose de type, ça c'est une vraie demande. Et c'est un vrai sujet que nous avons. Prenons ces affaires d'Abrébus. Ça fait des années que ça traîne au sein du Conseil. La municipalité précédente arrive avec préavis. Ce préavis, la commission du Conseil le rejette. Pourquoi ? C'est cher, ils ne sont pas au bon endroit et ils sont… – Et tout le monde a un avis dessus. – Non, ils ne sont pas bien faits. – Dans un aspect très technique des projets. – Oui, mais j'arrive sur la démarche. – Non, non. Je vais reprendre la main, Valérie Mousner-Léger, permettez-moi, avec des exemples très concrets, si vous le voulez bien, mais on va peut-être essayer de vous distinguer avec ce dont vous avez envie. On le ressent notamment dans certaines listes, je sais que c'est le cas. Si vous aviez un projet que vous, en tant que personnalité et pas en tant que mouvement des Verts, vous souhaitez mettre en avant, ça serait lequel? Peut-être un exemple concret que vous porterez. Alors, je vais vous l'illustrer sur l'Abrébus. Allez-y. Abrébus. Alors, attendez, comment travailler le projet Abrébus en démarche participative? Par exemple, ça s'est fait pour des totems de tri avec Pet Recycling. On peut demander aux gens où est-ce que vous voudriez avoir un grand et un petit Abrébus, parce qu'effectivement, ils sont de tailles différentes. Ça, on pourrait faire un sondage avec la population, et la population dirait, à part rue d'Oustan où on sait qu'il en faut un grand… Elle se prononcerait, elle serait consultée. Oui, mais ça ne coûte pas très cher. Il y a des chefs de projet qui sont censés gérer ces flux, savoir où il y a plus de… Justement, on passe beaucoup d'argent et de temps à demander à des études extérieures de nous dessiner où est-ce qu'il y aurait les Abrébus en fonction du transport. Dès qu'on le peut, utilisons la créativité de la population. On a vu ce que ça donnait à Glan, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec leurs Abrébus. Justement. On pourrait aussi dire, on fait des grands Abrébus, j'illustre l'exemple bien sûr, à la gare, au stand, ils doivent être extrêmement grands, très normés, mais peut-être on peut faire un concours d'Abrébus où les gens ont un peu de créativité, et puis en donnant évidemment le cahier des charges de ce que doit être un Abrébus en termes de fonctionnalité, de durabilité.
Mais en gros, vous, ça serait, par exemple, un projet municipal dessine ton abribus. Exactement. Pour se passer des chefs de projet. Alors là, non, vous non. faites plaisir à Sacha Soldini. Non, pas pour se passer. Pour que dessine ton abribus, que vous avez tout de suite vu, ait l'impression que la population est entendue et que finalement, elle peut avoir une part de création et de co-construction de la ville. Et il n'y a pas les politiques, les projets, et bien sûr que le gestionnaire de projet entendrait ce dessine ton abribus. Mettre tout le monde la main, donner la vie à la population sous un aspect créatif. Exactement. J'aimerais qu'on passe la parole à Jay Reuter. On a l'impression que tout va bien pour le meilleur des mondes en entendant Valérie Mousner-Léger. Elle nous dit ben oui, je vis ça très bien. C'est une campagne qui est magnifique. Aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors pour moi, vu que c'est ma première campagne politique, pour moi tout va bien parce que pour l'instant, les débats auxquels j'ai pu assister, le premier c'était au journal de Nyon-la-Côte la semaine passée, comme aujourd'hui, je trouve qu'il se fait dans le respect et quand même dans l'écoute de l'autre. Personne ne s'est interrompu jusqu'à présent, personne n'a hurlé ses idées ou sa position. Donc pour moi, ma première expérience, elle est plutôt bonne. – Gerretas, vous êtes soutenu par Julia Steinberger. N'est-ce pas, qui est venu, Steinberger. Steinberger, qui est venu à votre soirée de soutien. On sait qu'elle soutenait d'ailleurs Élise Buckle. Est-ce que ça veut dire que vous récupérez aussi les voix qui iraient pour Élise Buckle ? Est-ce que vous vous positionnez là-dessus ? Alors, je ne peux pas me mettre à la place des gens qui ont soutenu Élise Buckle ou les votes qu'elle a reçus. Je ne peux pas vous dire s'ils seront reportés sur moi. En attendant, Julia Steinberger, la raison pour laquelle je l'ai invitée donc, la semaine passée, c'était plus pour qu'elle puisse expliquer aux gens la problématique des défis sociétaux liés à la crise climatique. Donc c'est une spécialiste mondiale qui a d'ailleurs reçu dernièrement 10 millions de la part de la Commission européenne pour créer un programme justement comment est-ce qu'on va gérer ça. Et c'était important pour moi qui me lance en politique, qui veut m'impliquer dans… Vous étiez parrainé. Alors elle soutient ma candidature, ça je peux clairement l'affirmer, mais c'était pour moi important de comprendre qu'est-ce que moi, en tant que nouveau politicien, qui va rentrer peut-être, si le peuple veut bien, à la municipalité, qu'est-ce que je peux apporter comme nouvelles idées en prenant en considération ces grands défis qui sont face à nous. – Justement, on va s'y intéresser à ces grandes idées, ça serait lesquelles ? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter à cette population nyonnaise ? – Alors, moi j'en ai déjà parlé un petit peu, donc c'est clair que la gratuité des transports publics, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On en a parlé d'ailleurs lors du débat au journal de la Côte, tout le monde a été d'accord que c'était quelque chose qui pouvait se faire, peut-être d'abord par étapes, ça veut dire peut-être mettre en place un système pour favoriser le déplacement des aînés, donc c'est quand même une action sociale, et peut-être pour les jeunes jusqu'à 25 ans, c'est aussi une manière de les éduquer à utiliser plus facilement les transports publics que de s'acheter un gros 4x4 par exemple. Donc voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que moi je voudrais me battre, c'est vraiment le mot que j'ai envie d'utiliser, pour dire que les transports publics par étape devrait être gratuit dans une ville comme Nyon. Il faut savoir que Tallinn, qui est la capitale de l'Estonie, c'est 450 000 habitants et que les transports publics sont gratuits. Ça a amené, je crois qu'il y a même eu des essais à Montréal, ce ferreur payé par les commerçants du centre-ville. Voilà, il y a plein de choses. Aubagne, 47 000 habitants. Je ne suis pas sûr. Il y a plein de communautés en France qui le font. Pardon. Réchauffement climatique nous impose de réduire drastiquement les gaz à effet de serre. Pour respecter les accords de Paris, drastiquement. – D'accord, mais il y a donc, plusieurs façons d'y arriver. – Exactement. On a beaucoup de défis. Et les défis, ils sont, et c'est le programme de législature, la feuille de route, les directives qui sont en place, qui ont été définies, elles servent à ça. Nous devons avoir une meilleure… – Empreinte carbone. – Empreinte carbone, c'est-à-dire on doit la diminuer. Pour ce faire, on doit drastiquement baisser la consommation d'énergie. On doit, les commerces et les ménages doivent faire des économies, nous devons, sur leur consommation. Bien sûr, la rénovation énergétique des bâtiments va nous permettre aussi radicalement de descendre notre consommation énergétique. Et là, on a des infrastructures à modifier, puisque aujourd'hui, on est dans une affaire de passoires énergétiques des bâtiments communaux. Donc tous ces défis-là,
sont dans la feuille de route et ils sont prévus. C'est pour ça qu'on est en train d'avoir un match. Le match, il a commencé. On a une feuille de route sur laquelle la municipalité de gauche travaille. Ouais, donc celui qui vient, il s'inscrit là-dessus. Et permets-moi de reprendre, Pierre-Alain, ta manière de dire. Quand tu arrives au cours d'un match de foot pour faire du renfort, il faut que tu aies joué au foot. D'accord ? Donc moi, je ne vais pas aller sur un match de foot. Mais c'est quand même pratique d'avoir été, en ce qui me concerne, 8 ans conseillère communale, 2 ans, 2 ans présidente de la commission de gestion, parce que je bouge un peu. Alors Valérie carrément qui bouge, mais là c'est un joli tacle que vous faites à Pierre Dupuis. Non, mais c'est tout simple. Non, mais c'est tout simple. C'est tout le programme de législature parce qu'on va pas. Non, c'est le rapport de la commission de gestion. Pendant 5 ans. Pierre-Alain Dupuis, ce tacle est pour vous. Vous ne faites pas de politique. Non, non, mais c'est bien de connaître les règles du jeu quand on arrive sur un terrain. J'ai toujours dit, j'espère que cette campagne sera digne et fair play. Chaque candidat présente sa personnalité et dit où il veut aller. Oui. De vouloir commencer à dire que X, Y, Z n'a pas les compétences, n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, je trouve que c'est indigne. Vous voyez, quand on me dit que je suis, ce que vient de dire M. Reason, que je n'ai plus fait de politique depuis 8 ans, je trouve ça presque méprisant et arrogant. Pourquoi ? Parce que j'en ai fait. Mais oui, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas au conseil communal, qu'on n'est pas concerné par ce qui se dit, par les préavis qu'on peut lire, ils sont publics, ils sont sur Internet. Je fais partie de Communion. J'aimerais juste vous dire une chose. Si on est sur ce plateau, mes amis, c'est que NRTV existe. Je vais quand même dire une fois, j'ai milité dans la commission pour que NRTV ne disparaisse pas. J'étais président de cette commission. La politique, c'est mon adrénaline. Monsieur Reason, j'ai travaillé dans ma vie, dans le monde politique. Je ne vais pas raconter ma première varicelle, mais j'ai travaillé avec des éminents politiciens, Madame Yagi, Monsieur Brella. Voilà. Tout ça pour vous dire que la politique, c'est mon adrénaline et que même si je ne suis pas au conseil communal, je suis parti du conseil communal parce que justement ces calculs, ces alliances, on ne va pas le prendre lui parce qu'il pourrait prendre des voix là à l'arrivée, j'ai compris aussi, ouais, dans les partis. Oui. Vous dites, vous êtes hors parti, mais en fait les personnes que vous avez citées, c'est toutes des personnes de la gauche et quand vous étiez au conseil communal, vous étiez clairement à gauche et vous souteniez un programme de gauche puisque vous étiez par exemple pour une augmentation d'impôts. Tu vois, mais où avez-vous sorti que j'étais pour une augmentation des, mais pas une fois. Et quand je suis entré chez les Verts, je vais être très rapide parce qu'un débat, il faut savoir être court. Rapide, allez-y. Il faut être court et percutant. Quand j'étais chez les Verts, je leur avais dit, j'aime bien vos idées, tout ce dont a parlé Madame Mosner, transition énergétique, moins d'émissions. On est d'accord. Par contre, je n'aurai pas de fil à la patte sur certains dossiers, je serai indépendant. Et de dire aujourd'hui, Dupuis, il est pour la hausse des impôts, mais c'est juste une hérésie. Comment est-ce que vous allez vous différencier du coup, sachant que vous avez cet intérêt pour la politique, comment vous allez apporter votre touche rapidement, en 30 secondes, puisque je sais vous y arrivez. Encore une fois, je trouve qu'on n'a pas assez parlé des enjeux. On entre en cours de match, il reste 3 ans. – Oui, mais justement vous êtes là moi, pour faire… – Moi, je ne me projette pas pour 2026 et la suite. – Voilà, c'est ce que je veux dire. – Je suis là pour calmer une situation. La situation n'est pas calmée. La démission ou l'exclusion, utilisez tous les termes que vous voulez, de Mme Böckle n'a rien résolu. Il y a eu ensuite le chef du RH qui est aussi parti. Maintenant, il y a encore une situation d'incendie. Et à l'heure actuelle, les mesures ne sont pas prises pour éteindre l'incendie. Comment vous allez faire, du coup, pardonnez-moi, vu que vous abordez cette question. J'ai vécu sachant, dans une vous entreprise. Le dites, hein, il y a Pierre-Alain Dupuis, pardonnez-moi. Et vous dites, soyons clairs, vous dites, il y a encore un incendie, cette crise administrative continue. Aujourd'hui, cette municipalité, elle est soudée, elle essaye d'aller de l'avant. Comment vous allez faire? On sait que pour Élise Böckle, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Hein. Elle n'a pas réussi à tourner la page. On dit qu'aujourd'hui, elle a été une lanceuse d'alerte. Est-ce que vous serez le prochain lanceur d'alerte, ça veut dire ça? C'est ça ce qu'on doit comprendre à travers votre candidature? En tout cas, moi, je n'aurais pas du tout la même méthode. D'abord, je ferais preuve de grosse humilité en entrant à la municipalité. Je crois qu'il y a toujours un temps d'apprentissage. Moi, j'aimerais connaître les faits et où sont les problèmes. Quand il y a une crise, que ce soit dans n'importe quel domaine, il importe d'écouter toutes les parties, de faire de la médiation. Oui, fois qu'on a tous ces éléments, je vais au bout, là, on peut proposer des outils pour avancer ensemble, pour résoudre la question. Ça veut dire quoi? Moi, que vous êtes le sauveur aujourd'hui de cette ville de demain?
j'aime pas le mot sauveur, c'est tellement prétention. Non, je suis pas le sauveur. J'amène ce que je crois être une expérience de conflit. J'amène une compétence dans l'écoute, la tolérance, oui, mais et dans la volonté d'arriver à un consensus. Je ne suis pas un sauveur. Oui, mais si vous arrivez dans cette municipalité, c'est-à-dire une question ouverte à tous les candidats, et puis que vous constatez que la crise administrative couvre toujours, qu'elle est toujours aiguë, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, eh bien, je suis là pour amener un peu de calme, je vais fermer les yeux et je laisse ces 2 ans et demi, 3 ans aller au terme parce que je suis là pour faire une législature de transition, enfin une fin de législature de transition. Ou est-ce que vous dites, bah, il y a toujours une crise administrative, il faut trouver une solution? Valérie Mousner-Léger souhaite prendre la parole, je vous en prie. Alors, en termes de tempérament sur la crise, déjà, est-ce qu'il faut mettre l'huile sur le feu ou l'huile dans les rouages? La réponse est claire, on doit mettre de l'huile dans les rouages. Pour ce faire, par exemple… Alors, s'il y a encore ces problèmes au sein de l'administration… J'arrive. Donc, les outils qui sont en train d'être mis en place, c'est les suivants. D'abord, il y a quelque chose qui fait de l'huile, qui alimente l'huile sur le feu, c'est le dossier du règlement du personnel, oui. Dont on sait qu'il est là depuis fort longtemps. La municipalité, Alexandre Dimitriatis, s'en occupe et c'est en train d'avancer. Donc vous ne reprendrez pas ce Dicastère. Non, ce n'est pas une question de Dicastère, c'est que le dossier avance dans la bonne direction. Côté SAG, où il y avait un problème de management, le SAG vient d'être réorganisé. Les choses avancent, mais si vous constatez le fonctionnement, Valérie Mousner-Léger, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez agir? Donc, on ne va pas refaire le cours de l'histoire. J'arrive. Le SAG est en train d'être réorganisé, ça va produire des effets. Troisième sujet très important, soulevé 4 fois par la commission de gestion en 2016, 2017, 2018, 2019, les RH. Il y a une équipe RH, une nouvelle équipe RH qui arrive. On va la laisser travailler et elle va travailler notamment sur l'étude du climat social et faire respecter… – Vous acceptiez les règles du jeu, Valérie Mousner-Léger, justement, ne refaites pas l'histoire. Si vous constatez des dysfonctionnements… – J'arrive, je viens à votre… Franchement, okay. Si vous constatez des dysfonctionnements, comment est-ce que vous allez agir? Je vous en prie. – Alors, les dysfonctionnements, vous voulez dire RH, de manière générale, j'affronte les problèmes de face. Donc, s'il y a des gens… Et si je suis… – S'il y a toujours une souffrance au sein de l'administration… – Alors on va l'écouter, d'abord on va écouter cette souffrance au travers du climat social. Il y a des études de climat social qui permettent d'identifier la souffrance. Ensuite, c'est les RH qui doivent avertir la municipalité s'il y a des souffrances. Et s'il y a quelqu'un qui se comporte mal, en termes de hiérarchie, je n'ai aucun mal à dire à quelqu'un, à le prendre face à face et lui dire ton job… c'est d'arrêter de faire souffrir. Si c'est évidemment la personne. Face à face. Si par exemple il y a toujours un problème, par exemple avec le secrétaire municipal, vous faites quoi? Vous portez ça sur la place publique? Vous essayez de le régler au sein du collège? Non mais attendez, c'est une méconnaissance. Enfin, ne laissons pas croire aux personnes qui nous regardent que dès qu'on a un problème, on va en parler devant la place publique. Les institutions. Et c'est pour ça que ça s'appelle un collège municipal. Il y a des séances toutes les semaines où les 7 municipaux sont co-responsables de ce qui se passe. Et ils seront évidemment bien plus vigilants qu'ils ne l'ont été. Et ils doivent déjà l'être. Et les décisions se prendront au collège. Comptez sur moi pour être courageuse dans toutes circonstances. – Moi, je pense qu'il faut effectivement… – Et en tant que femme, et en tant que femme qui bosse depuis 35 ans dans des milieux masculins, je peux vous dire que je sais ce que c'est que la souffrance des femmes au travail quand elles sont harcelées, sexuellement, quand elles sont dénigrées ou rabaissées par des hommes qui parlent fort et qui ne les laissent pas parler. Donc cet aspect-là, je l'ai vu, j'ai vu les dégâts, j'ai aussi vu les dégâts de managers toxiques, et donc je sais le goût que ça a et la douleur que ça provoque. Donc je pense avoir l'écoute et la sensibilité nécessaires pour identifier
s'il y a vraiment une souffrance au travail. – Mais après, il faut agir. – Parce que en termes d'action, je suis tout à fait tranquille. Savoir agir, agir ensemble, ça rend heureux, et savoir prendre des décisions, je sais faire. Vous donc, avez donné la parole à Sacha Soldini. C'est pas un problème d'agir. C'est même ma marque de fabrique. Valérie Mosner-Léger, excusez-moi, Sacha Soldini. Oui. Vous avez la parole. Effectivement, je pense que toute cette histoire a permis, j'espère, d'ouvrir les yeux sur la façon de traiter ce genre de crise. Et j'ose espérer que si un autre problème devait apparaître de même nature, la municipalité incorpore, travaille ensemble pour gérer ce problème au plus vite et pas laisser une situation gangrénée. Je vais juste revenir encore sur ce qui a été dit par rapport aux appartenances ou non au Conseil communal des candidats. On a un avantage, c'est que les candidats, en tant que conseiller communal, depuis nombreuses années, je connais extrêmement bien le fonctionnement du Conseil communal, mais les sensibilités de chacune et chacun aussi au sein du Conseil. J'ai souvent fait des initiatives au sein du Conseil communal où j'ai pu fédérer dans d'autres partis, et ça sera très important. Et une fois qu'on est à la municipalité, il faut aussi pouvoir fédérer les conseillers communaux derrière nos projets. C'est ce qui permet d'avancer et de faire passer les projets. Et c'est ce qui peut aussi éviter d'arriver en situation de référendum, par exemple. Maintenant, il y a encore une petite question qui n'a pas été répondue par M. Reason tout à l'heure. Vous lui avez posé la question si j'étais sur la liste PLR, si j'étais un bon candidat ou pas. Il n'a pas répondu. Je tiens à relever que M. Reason était coordinateur de campagne à l'époque de la liste du centre droit sur laquelle j'étais candidat. Donc j'ose espérer qu'ils pensent toujours que je suis un bon candidat. Olivier Reason, c'est un bon candidat ? Donc, je confirme que j'étais coordinateur ou co-président. Vous étiez un fan de Sacha Soldini à l'époque. Mais on travaillait tous ensemble. On travaillait la droite et le centre-droite tous ensemble. Maintenant, j'aimerais vous dire deux choses. Aujourd'hui, les questions climatiques, tout le monde s'en occupe. Hein. Il n'y a pas que les Verts qui s'en occupent, c'est tous les partis qui s'en occupent. Vous avez posé la question, quel serait un grand projet pour lequel on s'investirait ? Pour moi, c'est très clairement le parc Pertan, son parking et Hustery. Qui est déjà en route ? Qui est en route, mais Hustery, pour l'instant, c'est pas encore complètement accroché à ça. Et vous avez demandé ce qu'on ferait, ça sera quelque chose que je ferai avec enthousiasme et beaucoup de bonheur et de joie. Salem Fedal, on vous a pas beaucoup entendu. Oui. Plusieurs questions qui ont été évoquées, des choses qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce qui ferait un bon municipal ? Je sais pas quel terrain vous avez envie de choisir, mais justement, on a entendu cette crise, cette page à tourner. Qu'est-ce qui fera de vous demain un bon municipal ? Pour moi, concernant la crise, ça serait de mettre tout le monde autour d'une table et que chacun ait ses points de vue par rapport à ça et de trouver une solution qui permette d'être à tout le monde une sérénité. Et peut-être, j'espère que ça se fera assez rapidement. Trouver une sérénité, donner la parole à tout le monde, écouter la population, pour résumer vos propos. S'il y avait un projet que vous souhaitez mettre en avant en tant que candidat, Salem Fedal, ça serait lequel ? Alors moi, ça serait sur une cohabitation avec les transports publics, les véhicules et aussi les commerçants, les associations, les habitants, pour que tout le monde s'y retrouve et pourquoi pas faire une gratuité des transports publics. Mais qui serait elle, subventionnée par les commerçants, la municipalité, pour les faibles revenus et les personnes qui sont sans emploi. Voilà, du multimodal pour notre candidat Salem Fedal, Jerotters. Moi, j'avais envie de dire que M. Reason a tout à fait raison. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient qu'on a une grosse problématique environnementale et tout le monde doit essayer de travailler dans la bonne direction. Après, je suis aussi au courant que dans la législation actuelle, donc dans le programme, il y a ce fameux parc Pertan. Moi, je vais faire un P en forme de P de parking. On parle d'un parking Pertan aujourd'hui, enterré au cœur d'une ville. C'est un projet rétrograde. On parle de millions de mètres cubes de béton pour continuer à avoir la voiture reine qui reviendra au centre-ville. Aujourd'hui, et ça je l'ai vu dans les documents de la commune, 24% des gaz à effet de serre proviennent de la mobilité. Donc vous, c'est chasser la voiture sur ces 24, je voudrais juste finir, sur ces 24%, 96% provient des voitures individuelles. Donc je ne vois pas en quoi cette transformation d'un parking qui est aujourd'hui pas enterré, en l'enterrant et en rajoutant un petit peu d'herbe par-dessus, j'appelle ça du greenwashing, je ne vois pas en quoi ça va améliorer la qualité de vie des Nyonnais. Donc
Je suis, sur le principe, pas favorable à ce projet. Je suis tout à fait conscient qu'il est en cours, qu'il y a des études et des sous qui ont été mis déjà pour cette étude, mais je pense qu'il est bien plus important, on revient à ces transports publics gratuits, de le faire par étapes et d'avoir une vraie vision d'avenir pour les personnes vivant dans cette ville. Sacha Soldini. Alors, concernant la problématique du multimodal, effectivement, comme vous le savez, je suis contre l'interdiction totale des véhicules individuels en ville. On est dans un tournant où on tend de plus en plus à des véhicules individuels zéro émission, peu importe leur mode de énergétique. Ces véhicules, il faudra toujours les parquer, il faudra toujours réussir à drainer les habitants du district au centre-ville pour faire tourner le commerce local. On a des gros centres en périphérie qui peuvent aussi absorber ces gens s'ils ont beaucoup de contraintes pour venir en centre-ville. Maintenant, pour les projets climatiques, il y a déjà des choses en route. On parle de chauffage à distance, géothermie de moyenne profondeur, installation photovoltaïque. Maintenant, les mesures symboliques, entre guillemets, enlever les guirlandes lumineuses au sapin de Noël à la place Bel Air. Je suis allé me promener dernièrement à la place Bel Air. Elle est plus lumineuse à l'heure actuelle, à 22h, que lorsqu'il y avait le marché de Noël. Ça, c'est des mesures symboliques. Et pour moi, c'est ça, le greenwashing. Je pense qu'on doit vraiment avancer tous dans le même sens. Il y a clairement une tendance économique aussi, à se passer du véhicule thermique, à se passer du chauffage mazout. Pour l'instant, c'est ça. On ne sait pas comment ça va évoluer. On a vu que l'électricité prend l'ascenseur. On veut mettre en avant la mobilité électrique, c'est une chose. Mais en même temps, on nous dit qu'il faut supprimer les chauffages électriques. Donc il faut suivre tout ça. Je pense que le futur, qui s'appellera peut-être hydrogène, va permettre aux gens de réutiliser de l'énergie propre, une nouvelle énergie propre, dans un futur, je pense, assez proche. Certaines sociétés y sont déjà passées au niveau du transport. Il y a déjà des essais en cours à l'échelle 1/1e. Bloquer le centre-ville aux véhicules individuels, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Donc oui, le parking souterrain perdant doit être réalisé. Le parking souterrain perdant va permettre de continuer de faire vivre le centre-ville. Donc vous n'êtes pas tous d'accord sur ce parking. Rapidement, avant de faire le dernier tour de table, Valérie Monsner-Léger, puisque vous avez demandé la parole, ce parking perdant, justement, alors, quel avenir? D'abord, le projet perdant, il a été très co-construit avec la population. Et puis il est porté par la majorité, par l'ensemble de la municipalité. Il est déjà très abouti, hein. Le projet, il y a un magnifique concours. Et il est ouvert. Alors, il a une taille de parking. La taille de parking, d'abord, il y aura un parking. Pour le moment, il est conçu comme ça. La taille de parking telle qu'elle a aujourd'hui été défendue par la municipalité, elle est de 450 places. Voilà. Les Verts, évidemment, les Verts diraient que c'est mieux si on a zéro. D'autres, peut-être, voudraient 800 places de parking. Le compromis actuel, il est à 450 places. Le projet perdant, au mieux du mieux du mieux, il est pour 2026. Pour l'instant, je ne vais pas… c'est là où il y a une différence entre être une équipe municipale et être au Conseil. C'est qu'en équipe municipale, c'est un compromis qui doit passer la rampe du Conseil. Si, peut-être, évidemment que je rêverais, d'ailleurs il en faut des parkings, qu'il y ait de moins de places possible, mais si derrière mon projet il ne passe pas parce que le Conseil le refuse, il faut être réaliste. Donc il y a l'acceptabilité politique à déterminer, et c'est là que c'est intéressant, en tout cas, d'avoir siégé au Conseil et d'avoir su faire des alliances, puisque j'ai l'habitude d'aussi, s'il y a un postulat du PLR, de le signer aussi. Je suis… – Alors là, vous serez exécuté, exactement. De nouveau tranché, peut-être… – Tout à fait, tranché et aussi négocié. – Porter des projets qui ont été portés par la droite… – Absolument. – Les faire accoucher… – Exactement. – Contre une politique partisane. – Et c'est le dosage… – Je vais vous demander de conclure. – Et c'est le dosage dont on a besoin. C'est-à-dire savoir nouer les alliances qui vont bien pour arriver à une solution consensuelle que la municipalité accepte et puis que le Conseil va ratifier pour que ça aille sur la population. – On arrive à l'heure du débat, Sacha Soldini, très rapidement parce qu'on arrive à la fin. – La consensualité qui vient d'être évoquée par ma collègue, j'ai entendu dans son discours quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est les Verts aimeraient avoir zéro place de parc à Pertan. Certains Verts. – Ça c'est quand même, on arrive dans des extrêmes qui ne plairont pas à tout le monde et en même bien temps… Sûr. Vous prenez, Mme Mosner, un déplacement du stade de Maran dans les infrastructures de Colovres qui va obliger des dizaines et des dizaines de parents
Sacha, de déplacer leurs enfants en très bas âge ce n'est pas à colorer. Donc, faudrait, je pense qu'il faut Sacha, s'adapter. Ce n'est pas à... ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on avait voté un crédit pour qu'on ouvre la discussion. Mais vous êtes un peu en contradiction je finis ma phrase. Déplacement et Sacha, puis au... je finis ma phrase. On a voté le Conseil ensemble, un crédit pour étudier les usages qu'on en fait aujourd'hui. Mm-hmm. Ni plus, ni moins. Pour l'instant, on en est là. Mais c'est déjà... Et on va en rester là, justement. Je vais reprendre la parole, on ne va pas vous mettre d'accord là-dessus, apparemment, même si vous avez pris la décision ensemble au sein du Conseil. Dernier tour de table, s'il y avait une seule chose que les Lyonnais, aujourd'hui, devraient retenir de vous, de votre personnalité, de votre candidature, qu'est-ce que ça serait? On va commencer de ce côté-ci, Salem Fedal. Qu'est-ce que les Lyonnais doivent retenir aujourd'hui de votre candidature avant de prendre leur décision le 5 février? Pour moi, ce serait d'être à l'écoute de la population et bien entendu qu'ils soient eux-mêmes écoutés dans ce qui se passe aujourd'hui. Jay Reuter. Je dirais que j'ai vécu beaucoup de vies différentes, j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup ouvert à l'autre. Donc je pense que je suis une personne qui peut vraiment s'engager pour tout le monde, comme je l'ai démontré jusqu'à présent dans mes engagements bénévoles au sein de différentes associations. Pierre-Alain Dupuis, qu'est-ce que les Lyonnais doivent retenir de votre candidature ? Moi, j'ai qu'un seul credo, c'est œuvrer pour le bien-être général. Ça paraît être une phrase bateau, mais de s'investir pour les projets dont les Lyonnais ont réellement envie. Et j'en cite un tout de suite maintenant, parce que je pense qu'il y aura un gros débat, c'est le centre multisport de Colovray. Tout le monde sait qu'on en a besoin, il faut aller de l'avant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, encore une fois, que retenir de moi, c'est que j'ai juste envie de tourner la page, de solutionner encore les problèmes de dysfonctionnement humain, le management humain, ça a toujours été le cœur de mes aspirations, de mes objectifs. Donc retenez de moi que j'ai envie de vous redonner à toutes et à tous le sourire et confiance en le monde dans politique. Dans la politique, parce que cette campagne a décuplé mon énergie, j'ai entendu plein de gens, il y a un rejet actuellement du monde politique, il y a une image écornée. C'est dommage, c'est pas digne d'une ville aussi magnifique que Lyon. Valérie Mosner-Léger, qu'est-ce que les Lyonnais et les Lyonnaises doivent retenir aujourd'hui de votre candidature et comment les convaincre au 5 février ? Qu'ensemble, Lyon va rester la plus belle ville du monde. Voilà, qui est si joliment dit, simple et efficace, Florian. Voilà, exactement. Olivier Rizane, la parole est à vous. Que doivent retenir les Lyonnais et les Lyonnaises ? Mon sens du pragmatisme, mon bon sens pour faire avancer les choses et pour que Lyon redevienne ou continue à être une très très belle ville. Voilà, qui est dit de manière philosophique. En tout cas, ce qu'on peut en dire, Florian, c'est que les Lyonnais ont le choix. Sacha Soldini n'a pas eu la parole. Pardonnez-moi. Je la prends volontiers. Allez-y, donc, mais oui, prenez-la. Ce qu'on peut retenir de moi, c'est que je serai toujours là pour entendre le terrain, toujours là pour faire remonter les volontés du terrain, travailler de manière consensuelle, faire avancer les projets, toujours en souciant des dépenses communales. Et essayer de réintéresser un maximum de monde à la gestion de la ville. On voit que sur les réseaux sociaux, les débats s'enflamment très vite. On peut aussi les prendre en compte, ces débats, ça reflète des volontés. Et aller de l'avant tous ensemble. Et voilà, Lyonnais, Lyonnaise, pour aller de l'avant, il suffit de voter, Andrea. Oui. Rendez-vous donc pour ce premier tour qui est fixé au 5 février. Le deuxième aura lieu le 26. Les cartes sont distribuées à la maison, c'est à vous de choisir. Profitez justement, donnez votre avis. Là, c'est une carte que vous avez en main, chers électeurs, chères Lyonnaises, chers Lyonnais. À vous de choisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce débat. Bonne suite de programme. À très bientôt.